Eden Prime. C'est là que tout a commencé. Là où la balise vous a donné la vision qui nous a avertis de la venue des moissonneurs. La balise nous a donné quelques années pour nous préparer. Sans elle, les moissonneurs en auraient déjà fini. Exact. Alors tout autre vestige protéin d'Eden Prime pourrait être aussi important. Et cette fois, vous serez là pour examiner notre découverte. Je ferai de mon mieux. Est-ce que vous savez ce que Cerberus a trouvé? L'Alliance n'a aucun renseignement relatif à la trouvaille de Cerberus. Mais dans tous les cas, pas question de laisser Cerberus le prendre. Je vous approche autant que possible du site de fouille. Nous serons détectés, mais vous devriez avoir quelques minutes. Bien joué. C'est compris dans le service, commandant. Allez, tout le monde. Parez à agir. Avec de la chance, on pourra atteindre le site avant que Cerberus ne nous remarque. Allons-y. Il faut trouver le site de fouille. C'était une belle colonie autrefois. Ils reconstruiront. Quand on aura réglé le cas de Cerberus. Par la déesse, ça semble impossible. Ce n'est pas un vestige protéen. C'est un protéen. Alors c'est un corps? Non. Cerberus a trouvé un protéen vivant. Vous avez raison. Ça semble impossible. Les protéins étaient très avancés dans la technologie des stases. C'est la seule raison pour laquelle certains de leurs vestiges nous sont parvenus intacts. Cerberus a trouvé ceci dans un bunker souterrain. C'est toujours alimenté. Il a été en stase pendant 50 000 ans à nous attendre. Pensez à ce qu'il peut nous apprendre. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les protéins? Le peuple, pas la technologie. Je crains que presque tout ce qu'on sait des protéins ne provienne que de déductions. L'Empire protéen s'étendait sur toute la galaxie. Ils ont édifié une multitude d'autres espèces pour les aider à rejoindre la communauté galactique. Édifié, hein? Comme lorsque les Galariens ont aidé les Krogan à évoluer un peu plus vite. Oui. À en juger par les sites de fouilles des archives protéennes sur Mars, ou ici sur Eden Prime, les protéens voulaient instruire les autres espèces. Il est clair que le savoir, la croissance et la coopération avec le reste de la galaxie leur étaient chers. Vu comment vous les décrivez, ils ressemblent beaucoup aux Asari. Ma description est influencée par mes propres a priori. Quoi que furent les protéens, en trouver un vivant représente une opportunité unique. C'est une bonne chose que nous ayons amené notre experte. J'espère être utile. Si ce seul protéen a été mis en stase, c'est peut-être parce que c'était leur chercheur le plus brillant, ou peut-être leur meilleur conseiller. Cerberus a endommagé le module quand ils l'ont sorti. Les signes vitaux sont instables. Alors sortons-le d'ici. Non. Fracturer le module le tuerait. Il faut trouver le signal qui ordonnera la fin de la stase. Il faut aussi qu'on devine comment ouvrir le module sans faire plus de dégâts. Cerberus s'est emparé des labos à côté, pour examiner leurs trouvailles. C'est sans doute notre meilleure chance. Quelles sont les pertes? Les forces des moissonneurs ont détruit environ 300 000 modules de survie. Ah,
frontières de notre peuple. Alerte! Impossible de sceller la cloison nord. Ennemi détecté. Toutes les forces au nord. Je peux dupliquer ça pour ouvrir le module de survie. Vous avez compris? Et vous? Non. Je n'ai vu que des parasites. Cerberus tentait de le décoder. Sans succès. La balise. Vous avez eu une vision des moissonneurs à votre dernière visite sur Eden Prime. Elle doit se caler sur votre esprit pour comprendre leur langue. Peu importe. J'ai vu la vidéo et leur méthode pour sceller les modules. Parfait. Il nous faut juste le signal utilisé pour activer la stase. J'imaginais que notre empire vivrait. Il vivra. Nous dormirons ici et lorsque les moissonneurs partiront, 1 million d'entre nous se dresseront. Pour l'Empire. Pour l'Empire. Votre module attend. Victoire, envoie le signal préparatoire à tous les modules. Et les réfugiés encore en route vers le bunker ? Leur sacrifice sera honoré dans le prochain Empire. Il peut prendre du temps pour reprendre complètement conscience. Attention, il est désorienté. Souvenez-vous, ça fait 50 000 ans pour nous. Mais pour lui, c'est comme si... Quelques minutes! Négatif. D'après les estimations, le bunker sera envahi. Certains modules sont actifs. Ces soldats respirent encore. Leur sacrifice sera honoré dans le prochain Empire. Allez à votre module. La bombe neutronique va tout purger. D'âme. Comment rebâtir un empire avec ça? D'autres ajustements seront nécessaires. La bombe neutronique a causé des dégâts. Explique. Capteur endommagé. Le réveil automatique n'est plus possible. Vous resterez en stase jusqu'à ce qu'une nouvelle culture découvre ce bunker. Des pannes d'énergie sont à prévoir. Ne coupe pas d'autres modules. Il me faut tous ceux qui restent. Les besoins seront traités par priorité. Je serai bien plus que ça.
combien d'autres? Juste vous. Vous me comprenez bien? Oui. À présent que j'ai pu lire votre physiologie, votre système nerveux. Assez pour comprendre votre langue. Alors vous me lisiez pendant que je voyais? Nos derniers moments. Notre échec. Votre peuple a fait tout ce qu'il a pu. Il n'a jamais renoncé. J'aurais bien besoin d'un peu de cet acharnement. Shepard, vos actions ont attiré l'attention de Cerberus. Asari, humain, je suis entouré de primitifs. C'est dangereux ici. Vous venez avec nous? Vous combattez les moissonneurs? Oui. Alors j'aviserai. Un protéen vivant. C'est exact, amiral. Mais ce n'est pas ce que nous espérions. Commandant, nos chercheurs arrivent à peine à comprendre ce qu'ils ont à faire. Si le protéen peut nous aider à construire cet engin, il nous faut son aide. Bien compris, amiral. On perd nos colonies plus vite qu'on ne peut les évacuer. C'est la première fois qu'on est confronté à une telle force. Pas lui, amiral. Il peut nous aider? Je compte bien le découvrir. Bon, Cerberus nous a échappé, mais il nous a donné une nouvelle arme. Ne la gâchons pas. Paquet terminé. Shepard, j'ai besoin de vous dans la soute bâbord. C'est à propos de notre nouvelle invitée. J'arrive tout de suite. Quel est le problème? Shepard, j'ai voulu arranger un peu la pièce, mais il ne me laisse pas lui parler. Mes excuses, docteur. Protocole de contact avec une nouvelle espèce, considérée comme hostile. Il faudrait mettre à jour les règles. Quelle nouvelle espèce? J'ai étudié les protéins toute ma vie. Du calme. Notre invité ne posera pas de problème. N'est-ce pas? Ça dépend de vous. Je sens la peur en vous. L'angoisse, la détresse. Les moissonneurs sont en train de gagner. Comment ça, vous sentez? La vie fournit des indices à qui sait les décoder. Dans vos cellules, votre ADN, l'expérience est un marqueur biologique. Alors qu'est-ce que j'ai vécu exactement sur Eden Prime? C'était un sacré flashback. Le combat a laissé des traces en moi. Je vous les ai communiquées. Ça marche dans les deux sens. Comme vos balises? Oui. Qui? Vous en avez déjà trouvé? Vous avez tout vu? Notre destruction, nos mises en garde? Pourquoi n'ont-ils pas été prévenus? Pourquoi vous ne vous êtes pas préparés pour les moissonneurs humains? C'est commandant. Et personne n'a compris vos avertissements. La balise a failli me tuer. Mais la communication est toujours primitive dans ce cycle. On a réuni ce qu'on savait et on a stoppé une invasion de moissonneurs il y a 3 ans. Alors l'extinction a été retardée? Nous avons les plans de votre appareil. Nous allons le construire. Appareil? L'arme sur laquelle travaillait votre peuple. J'espérais que vous puissiez nous aider à la construire. On ne l'a jamais terminée. C'était trop tard. J'imagine donc que vous ne savez rien du catalyseur. Non. J'étais un soldat, pas un scientifique. J'étais fait pour tuer. Quelle était votre mission ? Parmi mon peuple se trouvaient les incarnations de nombreux traits. Bravoure, force, ruse. Un seul exemplaire de chaque.
Et vous êtes ? L'incarnation de la vengeance. Je suis la colère d'une espèce anéantie qui réclame que le sang soit versé. Mon but ne sera accompli que lorsque le dernier moissonneur sera détruit. C'est ma seule raison d'exister. Ceux qui partagent mon but deviennent des alliés. Ceux qui ne le partagent pas, des cadavres. Qu'en dites-vous, commandant ? Rien dans notre combat contre les moissonneurs n'est aussi organisé. Parce que vous espérez encore que cette guerre épargnera votre honneur ? En effet. Tenez-vous parmi les cendres de milliards de défunts et demandez aux fantômes si l'honneur compte. Le silence est votre réponse. On a trouvé ça sur le site. Ça vous appartient, je crois. C'est un totem de mémoire. Ça nous aiderait pour l'appareil ? Non, il ne contient que la douleur. Mais je me battrai à vos côtés. Et la dernière chose que les moissonneurs entendront avant de s'éteindre sera la dernière voix des protéins les menant au tombeau. Si vous le permettez, j'ai encore quelques questions à vous poser. C'est parti. J'ai écrit plus d'une douzaine d'essais sur votre espèce. J'ai publié dans plusieurs journaux. Amusant. Les Asari ont fini par maîtriser l'écriture. Pardon ? Peu importe. Que voulez-vous savoir ? Nous n'avons jamais vu une espèce dotée d'une telle capacité sensorielle. C'était courant parmi mon peuple d'échanger nos expériences par le toucher, la chimie de la vie. Des idées complexes étaient assimilées en quelques secondes. Ça semble très utile. Nous étions des chasseurs. Lire des milliers de détails dans notre environnement nous a permis de survivre. Je commence un peu mieux à comprendre les balises. Plus tard, nous avons exploité technologiquement cette capacité. Nous stockions l'information dans certains objets par le toucher. La mémoire a sa propre biologie, sa propre chimie, comme le savoir et les talents. Les balises pouvaient se souvenir de ces choses. Vous pourriez lire quelque chose dans cette pièce ? Il y avait du liquide, une forme d'incubation, l'ADN d'un Krogan qui vivait ici. Il était puissant. Enclin à la violence. Impressionnant. Il s'appelait Grunt. Si c'était mon ennemi, je l'aurais soigneusement évité. Ses gènes renferment une grande force. Sur Eden Prime, on aurait dit qu'il y avait d'autres modules de stase. Que s'est-il passé ? L'Empire était tombé, et nous savions que notre cycle était perdu. Nous étions les derniers rescapés, les meilleurs guerriers restés en vie. Alors d'autres que vous étaient supposés survivre dans ce cycle ? Oui. Un nouvel empire protéen aurait dû s'ériger sous mon commandement. Nous aurions dirigé les espèces de votre temps pour les préparer à la prochaine invasion des moissonneurs. Mais des traîtres, des agents endoctrinés nous ont trahis, et les moissonneurs ont découvert notre plan. Juste par curiosité, comment vous nous auriez dirigés ? En ne vous laissant pas d'autre choix, vous auriez rejoint notre armée, ou combattu les moissonneurs seuls. Nous avons découvert plusieurs ruines protéennes. Est-ce que vous observiez nos ancêtres ? Avant la guerre, nous cultivions les espèces qui avaient du potentiel. À la fin, nous vous aurions offert la possibilité de rejoindre l'Empire. Mais quand les moissonneurs ont frappé, nous avons tout arrêté. Dans l'espoir qu'il ne prendrait pas la peine de vous moissonner. Eh bien, je dois vous remercier, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'engin que votre peuple tentait de construire ? Rien que des rumeurs. On disait que nos chercheurs construisaient une grande machine capable de vaincre les moissonneurs. Vous l'avez vu ? À ce moment, notre empire était en miettes. Personne ne savait ce que les autres faisaient. Si nous ne l'achevons pas vite, nous finirons de la même manière. Merci de m'avoir parlé. J'avais jamais imaginé rencontrer un protéin vivant.
Ça a été... distrayant. Ah. Découvrir que les espèces les plus primitives de mon époque dirigent maintenant la galaxie. Asari, humains, Turiens... Et aussi les Galariens. Les lézards ont évolué? Je crois que ce sont des amphibiens. Ils mangeaient des mouches. Commandant, comptez sur moi. On m'appelle Jaavik. Il me faut un peu de temps pour récupérer. Le choc m'affecte encore. Je comprends. Ça doit être une sacrée expérience pour vous. Nous sommes juste ravis que vous soyez là, Jaavik.